C'est le simulateur Lorrain, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015 pour mon dernier épisode sur Handsome Gabber. Donc aujourd'hui nous allons un peu nous amuser avec une moissonneuse cross qu'on a en fait on a pris une moissonneuse vieille et puis on a juste modifié la vitesse, donc on peut aller à 297. Donc on va aller un peu s'amuser dans les champs et tout. Mais franchement, c'est vraiment une belle moissonneuse, j'aime bien en tout cas. Donc aussi, on va juste passer par là. Je vais commencer une nouvelle série comme la Carla se termine. Je vais commencer une nouvelle série. Donc c'est pas sur Belgique profonde. Donc il y aura des images sur notre page Facebook. Donc si vous voulez savoir un peu où est-ce que ça va se situer, vous allez qu'à voir notre page Facebook. Vous saurez à peu près, il y aura peut-être une ou plusieurs images pour la map. Donc voilà. Donc aussi, je vais aussi vous dire un peu le but de cette série. Je pense que la plupart d'entre vous savent à peu près ce que je voulais faire. Donc en fait, le but de la série là, c'était un peu faire tout le tour de la... C'était faire tout le tour de l'agriculture, donc j'ai pas fait tout, hein. Il y a encore aussi de l'enrubanage à faire et tout, mais je n'ai pas fait, j'ai fait les plus gros trucs qu'avait besoin. Donc voilà, donc c'était un peu tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant on va aller, on va pas faire une visite, mais c'est une visite accélérée en fait, même si on a déjà visité la map. Mais c'est pas grave, on va s'amuser un peu, c'est la première fois que je teste la moissonneuse cross. Hein. J'ai testé, mais la première fois que je l'ai testé, je me suis retourné, donc j'ai pas pu la rouler beaucoup avec. Donc je vais juste vous faire écouter un peu le bruit quand on démarre. Écoutez. Ah, elle met vraiment assez longtemps quand même pour démarrer. Enfin, ça fait comme les vieilles, moissonneuses. Donc je vais essayer de faire une aller à plus de 100 km/h pour vous montrer comme elle fait quand elle va sauter en fait à l'arrière. Ça va être vraiment bien. Je vais vous montrer. Je voudrais quand même essayer de trouver un grand champ. Voilà, là j'ai une ligne droite, on va essayer de faire ça sur ça. Bon, on va passer à travers champ. Comme par hasard. Bon, tant pis, on va essayer de faire ça ici. Donc là on est déjà à plus de 200. Oula. Eh, double vrille, atterrissage sur les roues quand même. Oh. Eh, deux roues, j'ai fait deux vrilles et j'ai fait un peu de mètres sur deux roues. Vraiment pas mal. Ah non, c'est la barrière. Donc j'ai quand même essayé de vous montrer comme elle saute. Voilà, là j'espère qu'on va rien se prendre, qu'il n'y aura rien qui va gêner. Voilà, là on est à 260. Bon, on était à 260. Bon, on va réessayer. On va essayer de réessayer. Bon, on va aller quand même dans des chemins un peu. Donc c'est... Je crois que c'est le champ 3, 1 et 2 qui a des bons chemins là-bas. On va y aller tout de suite. Ah là aussi, là il y a des bons chemins aussi. On va s'y rendre. On va passer un peu dans la forêt en même temps comme ça. Je sais plus si les barrières là, on peut rentrer dedans ou pas. On peut pas. Ah si, on peut passer à travers. Donc ici il y a les moutons. Voilà. En plus elle a une quand même bonne accélération, donc c'est vraiment pas mal. Après je sais pas si vous avez déjà vu des vraies moissonneuses cross qui marchent,
Moi, j'ai déjà été voir un peu des moissonneuses cross, c'est vraiment impressionnant. Ça fait beaucoup de bruit, ça va. Des fois, ils se retournent et tout, franchement, c'est vraiment bien. Après, vous pouvez aller voir sur internet hein, ce que ça donne des moissonneuses cross, mais en vrai, franchement, c'est vachement bien. Moi, j'apprécie de voir les moissonneuses cross tourner. Voilà. On va passer tout droit, on va faire un petit saut dans là. Oula. On va essayer quand même de se rendre à 287 ou 280, ça sera déjà bien. Je vais essayer de trouver. On va aller au champ 2 et 1. On va essayer de s'y rendre. Comme ça, peut-être qu'on arrivera à faire qu'on arrivera à la fin. Donc franchement, c'est quand même un peu dur à contrôler la moissonneuse. Hein. Franchement, c'est pour ça que je glisse, que je tourne pas trop brusque. Parce que si je tourne brusque, bah ça tourne presque pas déjà. Et c'est un peu plus dur pour tourner. Après, elle va glisser la moissonneuse, je vais partir en tête à queue. Bon, là je suis bloqué, je crois. Non, c'est bon. Hop. Donc la vidéo elle durera pas trop longtemps. Hein. Je pense que la vidéo va durer à peu près 10 minutes. Faut pas que ça soit un peu trop long parce que si on fait que de la moissonneuse, ça va être un peu chiant. En tout cas, moi franchement, j'ai bien aimé tourner sur la map là. Franchement, c'est une série qui m'avait bien plu. Donc aussi, j'ai vu aussi le nombre de vues qu'il y a sur la map là. Franchement, je suis vraiment content d'avoir autant de vues. Bah maintenant, il y a plein de youtubeurs qui font des séries dessus. Hein. Beaucoup de monde qui en fait. C'est vraiment une map assez connue maintenant. Avant, elle n'était pas trop connue. Donc voilà. Ah là, c'est bien là. Là, c'est où il y a les ornières et tout. Oh! Oh le saut! On va essayer de faire un plus de vue intérieure comme ça. Voilà, il y a un saut aussi là. On va essayer de le prendre en partant de la falaise. On va sauter au-dessus. On va peut-être aller en dehors du décor. Donc je vais essayer de prendre ça à fond. On va partir de là. Voilà. Hop! Non! Il y a un arbre et comme par hasard je me le prends. Donc on va réessayer encore une fois. Ouais, on va essayer encore une fois et puis après on va y aller. Hein. On va essayer d'atteindre notre but, d'arriver à 280 km/h. En plus, faut pas tourner quand vous accélérez. Parce que là depuis tout à l'heure je fais du drift en fait. Hop. On va pas tourner, voilà, pas trop tourner en tout cas. Allez, dernière fois et après on teste et on va se laisser là-dessus. Donc l'arbre il est là, ouais, c'est bon. Ouh ! Ah non ! Non, on pouvait pas passer on pouvait pas aller en dehors de la map. Mais quand même, hein, en vrai là je me serais un peu tué déjà, je me suis déjà pris plein d'arbres, là j'ai atterri sur un arbre, franchement j'ai fait des tonneaux et tout, donc, oh, 257, ah, bon bah, je crois que c'est la fin, hein. Donc bon les amis on va se laisser là-dessus, donc si tu veux voir plus de vidéos je t'invite à aller t'abonner. Tu peux aller voir aussi notre page Facebook, à nous suivre sur Twitter. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Salut !